أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أيتها الأخوات أيها الإخوة أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'aimerais commencer par les remerciements pour ce rassemblement des musulmans du Nord à l'organisation de l'avoir mis sur pied encore une fois, une septième fois. De voir que vous êtes quand même reçus, quelles que soient toutes les polémiques médiatiques, vous êtes quand même dans un cadre qui permet de ce rassemblement et qui permet d'échanger et de réfléchir à un certain nombre d'éléments à partir de notre message. Et il faut saluer cette liberté, saluer la possibilité qu'il y a de pouvoir se réunir dans ces conditions-là. J'aimerais en votre nom à tous aussi, parce qu'on ne le dit pas suffisamment, il y a ceux qui sont visibles dans l'organisation et puis il y a ceux qui sont plus invisibles, tous les bénévoles, toutes les sœurs, tous les frères, toutes les amis qui sont depuis un certain nombre de jours qui ont permis cette rencontre. J'aimerais quand même en votre nom à tous commencer aussi par les remercier, parce que je pense qu'ils font un travail admirable, qu'ils donnent don de leur temps et de leur énergie pour que nous puissions nous rencontrer dans les meilleures conditions. Donc nous demandons à Dieu de les récompenser pour ce travail et de notre côté, nous les remercions de leur engagement aussi. Alors, avant d'arriver, ça commence à devenir une espèce de routine dans un certain nombre de villes en France. De nouveau une controverse, de nouveau des propos assez étonnants, où j'ai appris par médias interposés que Madame Martine Aubry était choquée de ma présence ici avec cher Sultan qui est ici aussi avec nous. Et moi, je suis choqué qu'elle le soit, choqué. Et je sais bien qu'à l'heure qu'il est aujourd'hui en France, pour pouvoir soit se positionner dans un avenir politique, soit trouver une certaine popularité, il est devenu d'usage de tenir des propos qui sont soit sur des personnes, soit sur la religion musulmane, des propos qui sont à la limite de la stigmatisation perpétuelle. On le sait, on l'entend, malheureusement, le propos concernant le vivre ensemble et concernant notre relation et concernant même la place de l'islam en France, de cette religion qui est une religion française avec des citoyens qui sont des citoyens français, eh bien, la stigmatisation et la critique, ça vous donne un potentiel électoral et ça vous donne en même temps un potentiel médiatique. Comme si, pour pouvoir soit intégrer le gouvernement, soit se positionner dans le débat politique, plus on stigmatise, plus on a des propos qui sont à la limite du dénigrement, plus la popularité augmente apparemment. Apparemment. Le Front National a fait son commerce de cette affaire. La droite n'est pas loin de lui emboîter le pas et la gauche n'est pas loin d'emboîter le pas à la droite, qui emboîte le pas à l'extrême droite en termes de discours. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais dire comme réponse à ce que j'ai entendu, c'est que j'ai eu l'occasion de rencontrer le père de Madame Martine Aubry.
J'étais dans la Commission européenne qui parlait du projet des civilisations et de donner une âme à l'Europe. Et dans le fait de donner une âme à l'Europe, il y avait trois choses. Reconnaître la diversité du passé avec la présence de l'islam, du judaïsme, du christianisme. Il y avait le fait de trouver les moyens de vivre ensemble dans les sociétés européennes et de se projeter vers l'avenir. Et il y avait l'idée d'une politique qui était une politique déterminée et courageuse sur le vivre ensemble. Et j'ai rencontré chez le père le courage que j'ai l'impression est perdu dans le positionnement politique aujourd'hui chez la fille. Et j'aimerais aujourd'hui prendre date. Ce discours sur l'islam et la stigmatisation des personnes, il faudra un jour ou l'autre que ça cesse. Et ça cessera parce que les voix de la présence française des citoyens de confession musulmane va aujourd'hui se faire entendre, elle va se faire entendre de plus en plus sur le plan social, sur le plan civil et sur le plan politique. Et si on ne sait pas respecter par principe, il va bientôt falloir respecter par enjeu politique. Et c'est l'avenir de ce pays qui est en jeu. Est-ce que j'aimerais vous dire à vous, qui êtes des citoyens, qui soyez de confession musulmane ou non, faites en sorte que vos politiques vous respectent dans la dignité, et quand on a des propos politiciens, eh bien on va les ignorer. C'est sur le champ raisonnable, sur le champ de la construction du futur, qu'il faut placer le débat. Il y a des intérêts qui sont des intérêts aujourd'hui de la classe politique. L'actuel ministre de l'Intérieur est l'un des plus populaires parmi les ministres français aujourd'hui, et vous savez ce qu'il dit, et sur l'islam, et sur les musulmans, et sur l'avenir de ce pays, avec une politique qui n'est pas très très loin de son prédécesseur, et qui est, je l'ai dit avant même qu'il soit ministre de l'Intérieur, je me posais la question de savoir s'il ne s'était pas trompé de parti. Mais au fond, il ne s'est pas trompé de parti. C'est l'état de la France aujourd'hui dans le discours politique. Attendre des politiciens en France qu'ils soient plus courageux, qu'ils déterminent un vivre ensemble, qu'ils déterminent le respect de cette religion qui est une religion française. Mais au bout du compte, ce respect-là, il ne faut pas l'attendre d'eux. Respectez-vous dans vos principes, respectez-vous dans votre présence, respectez-vous dans votre engagement. Et il n'y a aucun autre choix pour les politiques que de finir par vous respecter. S'ils ne l'entendent pas aujourd'hui, ils vont l'entendre bientôt. Le travail commence par se respecter et de ne jamais, au nom de pratiques politiciennes, admettre et compromettre nos principes, notre éthique, notre présence en France. La France reconnaît la liberté de conscience et la liberté de culte. C'est le principe fondateur. Et à ceux qui aujourd'hui ne le reconnaissent pas, c'est eux aujourd'hui qui vont à l'encontre de l'âme de l'Europe. C'est eux aujourd'hui qui travaillent contre l'âme de l'Europe. Et nous, nous devons réconcilier l'Europe avec cette âme du pluralisme, du respect et de la reconnaissance. Et c'est dans ce cadre-là que j'aimerais inscrire cette réflexion sur le retour à l'exemplarité du prophète, alayhi wassalam, et essayer avec vous de réfléchir à ce retour sur sa vie et quels sont les enseignements que nous pouvons retirer pour aujourd'hui. Parce que ce qui est important, c'est qu'on s'aperçoit dans... Ça vous a été répété souvent, le verset vous a été répété souvent, quand il vous est dit dans le Coran, « Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana », dans le meilleur exemple qui est l'exemplarité du prophète, du messager, il y a en fait une vie. Et ce qui est intéressant dans la vie, par différenciation avec les versets coraniques ou par différenciation avec les traditions prophétiques qui sont ce qu'il a dit, fait ou approuvé, là vous avez une vie, et la vie, elle a cette particularité de mettre en situation le prophète salam par rapport à divers éléments de la vie. La simplicité des principes de l'islam avec la complexité de l'univers dans lequel il se trouve. Parmi les siens rejetés, dans l'exil, puis ensuite revenant et construisant et constituant une société, un cadre dans Médine, puis revenant dans son pays. Tout ça, il faut l'analyser et comprendre ce qu'on disait. Il dit de lui-même,
Il dit de lui-même quant à sa mission, إِنَّمَا بُعِثْتُ لِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. Je n'ai été envoyé que pour parfaire le bon comportement. Et quand on demande à sa femme qui est dans son intimité, qui sait ce qu'il est dans son intimité, et qu'on lui demande qui était-il, elle dit, regardez le terme, et il revient, كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ, c'est-à-dire son caractère, c'était la traduction des principes de l'islam dans la vie. Il est le vivant du texte. Il est le texte qui se traduit. Avec une chose qui est importante, il est le vivant du texte qui se traduit, mais le texte dit de lui, tu n'es qu'un être humain. Je ne suis qu'un être humain. Donc le texte qui est le texte révélé dit du prophète qu'on va voir la traduction humaine avec les limites de ce qu'un être humain peut faire et l'excellence de ce que le messager peut montrer. Et à partir de ça, comment il faut faire? Eh bien, j'aimerais vous dire une chose, et il faut commencer par là. Nous avons, avec l'exemplarité du prophète, le même problème parfois que dans la compréhension de ce que furent les deux périodes de sa vie, la période mécoise et la période médinoise. Et ici, dans cette salle, nous revenons en arrière et nous avons des lectures qui sont différentes. Certains de nos frères, et vous les entendez aujourd'hui en Tunisie, en Égypte, au Mali, avec des différences de positionnement politique, vous les entendez au Pakistan, vous les entendez à travers tout le monde musulman, et en France, et en Angleterre, partout, ils reviennent au prophète al-Salam comme ils reviennent à la période médinoise ou à la période mécoise, et ce qu'ils prennent de l'exemplarité, ce ne sont pas les principes, mais les façons dont ils ont été traduits dans son époque. Et donc ce qu'ils veulent, c'est qu'on revienne à l'exemple du prophète al-Salam et qu'on fasse comme il a fait les principes, mais pas seulement, la façon aussi. Et ils vont lui dire, il était habillé ainsi, habillez-vous ainsi. Il faisait cela, faites cela. Et cette attitude, cette lecture, elle est présente dans notre religion. On la respecte parce que c'était une tradition qui suit ce qu'était celle de Abdallah ibn Omar, radiallahu anhuma, mais cette lecture-là, elle est problématique. On la respecte, mais elle est problématique. Pourquoi? Parce que, fondamentalement, elle commet une erreur. Elle revient dans le passé et prend du passé les principes et leur traduction. Ce que nous devons faire avec le prophète, comme avec l'exemple de Médine, c'est revenir dans le passé, prendre les principes et trouver notre modèle. Et la modernité du message du prophète, c'est que les principes que vous trouvez dans sa vie, ils sont exportables. Les modèles, ils ne le peuvent pas l'être parce que tout a changé. Et nous, en tant que musulmans, on revient vers les principes, on utilise notre tête et on comprend comment les appliquer aujourd'hui. Donc, non. Vous savez que je n'aime pas qu'on applaudisse. Encore une fois, si vous appréciez, vous réfléchissez. Donc, on reprend les principes et on revient sur comment on traduit ça aujourd'hui. Et ça, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Quand le prophète, alayhi salam, il dit aux musulmans, et quand le Coran nous dit, c'est le khatim al-anbiya, c'est le dernier des prophètes, mais il nous dit, lui, sur ce qui va venir par la suite, إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِ مِئَةٍ سَنَةٍ مَنْ يَجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا. Ça veut dire quoi? Il va envoyer chaque 100 ans un groupe de personnes ou une personne qui va renouveler. Qu'est-ce qu'il veut dire? Renouveler pour cette religion, sa religion, pour cette communauté, sa religion. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, les principes vont rester les mêmes, mais il va envoyer des gens qui vont nous aider à comprendre les principes, à faire une nouvelle lecture pour le nouveau contexte. Et donc le prophète al-Salam nous parle aujourd'hui si nous avons l'intelligence de comprendre ses principes et de comprendre notre époque. Comment on traduit ceci aujourd'hui? Ça demande la médiation de nos intelligences. Toute personne qui suit le prophète al-Salam sans comprendre et sans intelligence peut traduire le message du prophète al-Salam. Parce que le vrai message du prophète al-Salam, c'est que vous ne le suivrez que si vous réfléchissez. Le suivre sans réfléchir, c'est le trahir. Suivre en comprenant, c'est le respecter. Et ça, c'est le début de chacun d'entre nous dans cette salle. Qu'est-ce que je peux comprendre des principes de sa vie pour pouvoir en faire les principes de la mienne? Donc,
Le suivre ici, ce n'est pas le suivre du muqallid, c'est-à-dire de l'imitateur, c'est le suivre de ce que Omar ibn al-Khattab a dit, celui qui comprend. Et il a répété, el-fahm, el-fahm, el-fahm. Soyez des êtres de connaissance, min al-ulama, ou soyez des gens min ahl al-ilm, ou talab al-ilm, c'est-à-dire tullab al-ilm, c'est-à-dire ceux qui cherchent le savoir. Mais dans la vie, avec ce savoir, il faut et tadbir, c'est-à-dire l'application et la compréhension de ce qu'on est en train de dire. Donc ça, c'est une dimension de ce qu'on doit essayer de comprendre. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, mais on essaie d'extraire des principes. Et le premier des principes que l'on a, quand on en vient à ceci, mais j'aimerais bien que vous compreniez une chose. On dit les musulmans, on dit les communautés musulmanes ou la communauté musulmane. Il faut bien qu'on se mette d'accord. Regardez bien ce qui se passe aujourd'hui dans le monde musulman. Regardez bien ce qui peut se passer jusqu'en France. Il faut qu'on prenne ce que je viens de dire très sérieusement. Nous n'avons pas les mêmes lectures des textes. Nous n'avons pas les mêmes compréhensions de ce que c'est que notre référence islamique. Et aujourd'hui, à l'intérieur du monde musulman, des courants sont en train de se disputer sur le référentiel musulman. Comment on le lit ? Et vous avez aujourd'hui des courants qui, hier, ne faisaient pas de politique, qui entrent en politique et qui veulent une application et une compréhension de l'islam, non pas simplement sur les principes, mais sur l'imitation réduite. Sans histoire, ils veulent qu'on revienne à une époque où l'histoire, le passé, serait à dupliquer aujourd'hui. Cette interprétation de l'islam, elle est problématique. On peut la respecter pour un individu, mais quand elle veut s'imposer à une société, elle nous fait régresser. Nous n'avons pas, avec cette lecture, les moyens de faire face à l'époque contemporaine. Ça, il faut qu'on soit conscient de ça, parce que nous, en tant que musulmans, si on veut être cohérent avec ceci, il faut qu'on établisse ce débat interne avec ces forces-là. Et il faut aussi qu'on les confronte. Ceux qui vous disent, par exemple, la façon dont vous avez de vous habiller, la façon dont vous avez de compenser l'engagement citoyen, des gens qui vous disent, vous, en tant que musulmans, vous ne devez pas voter parce que ça n'est pas dans le Coran, il n'y a pas une tirabat dans le Coran. Eh bien, ceux-ci, il faut se lever en leur disant, vous ne comprenez pas. Votre lecture est une lecture tellement littéraliste, tellement réduite qu'elle en finit par trahir le message. Vous ne nous dites pas l'essence de l'islam, vous nous dites la lecture littérale d'un passé qui est passé et qui ne nous fera pas avancer et qui nous fera perdre le sens du message. Cette attitude-là, avec respect, non, n'applaudissez pas, comprenez la difficulté que nous avons aujourd'hui. Parce que ceux qui aujourd'hui veulent nous pousser parfois des situations vont jouer sur ces différentes interprétations et forcer la division. L'instabilité du monde musulman aujourd'hui, il est basé sur beaucoup de ces lectures-là, beaucoup de ces problèmes-là. Et ce qu'on a avec le prophète, on l'a également avec l'époque du passé, le passé de Médine et comment est-ce qu'on le lit. Alors quand on en vient au principe, on s'aperçoit d'une chose. La première des expériences, prenons-le d'un point de vue individuel. Et quand on voit le point de vue individuel, on se dit, mais qu'est-ce qui, dans la vie du prophète, al-Salam, peut être extrait comme principe pour nous aujourd'hui ? Eh bien, il y a une chose qui est très importante pour chacun d'entre nous. Arrêtez-vous un moment et comprenez que le prophète, al-Salam, il est choisi comme étant celui qui va devenir le messager avant qu'il parte le message à 40 ans. Il est choisi avant. Et quand il est choisi avant, il va passer par des étapes. Il y a une chose qui est particulièrement importante, c'est qu'il a deux caractéristiques qui vont le distinguer. La première caractéristique qui va le distinguer, c'est qu'il n'est pas partisan. Il est un homme de principe. Quand on l'appelle avant qu'il porte le message, « Es-sadiqul amin », l'homme de vérité est l'homme de confiance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quoi, quelqu'un de confiance ? Quelqu'un de confiance, ça veut dire, quelle que soit ta relation avec les gens, ce qui va faire ta relation avec moi, c'est tes principes, pas tes alliances. C'est ça, un être de confiance. Un être de confiance, c'est je te donne un dépôt, quelle que soit ta relation, te dépôt, tu me le rends. Mais pourquoi ? Parce que ce sont tes principes qui dirigent ton comportement, pas tes alliances. Et un être de confiance et un être de véracité, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui s'en tient à ce qu'il dit.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde politique, dans le monde des alliances, même dans le monde de nos organisations musulmanes, à des moments donné, notre appartenance à une organisation peut nous pousser à donner le privilège à notre organisation sur la parole de vérité. Le prophète, avant d'avoir le message, il a les deux qualités qui vont lui donner tout son sens au message. Il n'est pas partisan d'un camp, il est partisan de ses principes. Et ça déroule amin. Ça, c'est une chose qu'il faut qu'on développe. C'est-à-dire, les meilleures relations qu'on peut avoir avec ses amis, les meilleures relations qu'on peut avoir avec ses ennemis, la meilleure réponse qu'on peut avoir par rapport à un maire qui est élu, à une femme ou à un homme qui est élu, c'est pas qu'on soit partisan, c'est qu'en face de lui, on soit des êtres de principe. Vous êtes avec nous dans les principes, on est avec vous. Mais si vous ne respectez pas les principes, nous, on reste liés aux principes. Nous ne sommes pas partisans d'un individu ou d'une tendance. Ça, c'est un premier élément. Et la deuxième des choses, c'est que le prophète, il a ses principes, sa perception, c'est sa vie extérieure. Mais dans sa vie intérieure, le prophète, il est en quête. Il cherche ce qui est vrai. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est, lui, dans ses principes et par rapport à sa société, dans le jugement. Mais dans quel type de jugement? Dans la quête de ce qui est juste. Et quand il a 35 ans, il commence à s'éloigner de sa société. Pourquoi? Parce que ce qu'il voit dans sa société ne lui convient pas. Ça ne correspond pas à sa paix intérieure. Il est en quête de paix intérieure. Il a des principes devant les hommes et un souci de paix intérieure vis-à-vis de lui-même. Il cherche quelque chose qui sera « salamat al-nafs » qui va revenir dans le Coran « ya ayyatuha al-nafs » ou le montement « inna » celle qui va gérer, qui va dépasser « inna al-nafs al-ammaratum bisou » ce qui est ce « nafs » qui est lié à quelque chose qui peut être la tendance vers le mal, et bien ces principes vont l'amener, parce qu'il est comme ça avec ses principes, à chercher la vérité. 2013, vous vivez ici au nord de la France. Et ce qui vous est dit, c'est la même chose. Marcher sur les traces du prophète, c'est comprendre ces deux principes-là. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes, est-ce que dans votre vie, vous comprenez ce qu'il a fait? Il a regardé autour de lui et il n'était pas satisfait. Il voyait bien que la façon dont ils adoraient les idoles ne le convenait pas. La façon dont ils étaient liés à des clans ne lui convenait pas. La façon dont ils étaient liés au pouvoir ne lui convenait pas. Il s'est éloigné de tout ceci. Il est parti dans le symbole et dans la forme, dans une grotte. Il s'isolait et il méditait. Il cherchait le sens. 2013, ici à Lille et dans tout le monde entier, cette quête de sens, elle est importante. Combien de temps? Parce que finalement, l'une des réalités dans laquelle nous sommes, c'est que quand vous êtes dans une société, la société dans son ombre, la société dans ses modes est toujours plus forte que le comportement individuel. Si vous vous laissez aller à imiter les gens, parce qu'au bout du compte, vous finirez toujours par imiter quelqu'un. Toujours. Vous êtes toujours pris dans l'imitation. Alors vous pouvez imiter les gens dans leur superficialité, et vous pouvez imiter le prophète dans sa profondeur. Vous allez finalement l'imiter, lui, ou imiter ceux qui vivent à la surface. Vous avez à chercher cette quête-là, à la vivre. Et le premier principe de la vie du prophète, c'est « éloignez-vous des hommes pour vous réconcilier avec votre cœur ». Faites un travail qui est « est-ce que ce qu'ils font correspond à ce que je suis ?» et « qui suis-je dans ce qu'ils font ?» Et le prophète, s'est lui retiré. Et il s'est retiré pour chercher, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu. En d'autres termes, viens proche de ton cœur, tu trouveras la réponse du Créateur. Proche de ton cœur, la réponse du Créateur, c'est tellement vrai que vous connaissez le verset qui dit « Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wal qalbi » c'est-à-dire que sachez que Dieu, la connaissance de Dieu se place entre l'homme et son cœur, qui est un verset tellement important dans ce retrait. Premier principe, savoir et chercher à se réconcilier avec soi-même. Pourquoi? Parce que fondamentalement, toute la vie du prophète, elle sera liée à cette expérience-là. Votre force parmi les hommes, elle vient de votre force vis-à-vis de vous-même. Votre force par rapport à toutes les forces extérieures, elles viennent de ça. C'est la dimension de ce que l'on a aussi vu dans la dimension de l'arbre.
Kalimatun tayyibatun ka shajaratin tayyiba asluha thabit. Cette dimension de la profondeur, elle vient de ce premier principe. Le prophète, alayhi salam, pour pouvoir avoir cette force-là, il va passer par cette dimension. La deuxième des choses, vous aurez remarqué une chose, c'est que dans la vie du prophète, alayhi salam, il a toute cette dimension du principe de quelqu'un qui cherche. Mais ça demande à chacun d'entre nous ici de bien comprendre ce qu'on est en train de dire. Est-ce que dans votre vie quotidienne, vous participez ou vous êtes des êtres de principe? Vous approchez de Essotre et vous comprenez ce que c'est que El-Amin, El-Amana, quand on vous donne des dépôts. Même dans ce qu'on vous dit, la distinction du musulman, elle doit être celle-ci, elle doit être éthique, elle doit être de principe. Et puis ensuite, la quête personnelle, prendre du temps. Vous savez pourquoi vous jeûnez un mois par année? Vous ne jeûnez pas un mois par année pour vous empêcher de manger et de boire. Vous jeûnez un mois par année pour vivre, comme le prophète, l'expérience de la grotte. Votre grotte à vous, c'est un mois par année. La grotte du prophète, elle est dans votre vie inscrite un mois par année. Retire-toi, reviens à ton cœur, éloigne-toi. Quand ils mangent, tu ne manges pas. Quand ils boivent, tu ne bois pas. Quand ils s'oublient, tu ne t'oublies pas. Quand ils dorment, tu pries. Ta grotte. Là, tu vas chercher la liberté. Là, tu vas chercher la force. Ça, c'est l'exemple. Mais maintenant, nous, on a fait de la grotte du mois du Ramadan. Là, enfin, c'est plus tellement une grotte. C'est une grotte et à la sortie de la grotte, il y a un festin. C'est une grotte où souvent tu dors pendant le jour et tu festoies pendant la nuit. C'est une grotte colonisée. C'est une grotte de consommation. Ce n'est pas ça qui est demandé. Notre grotte, elle est là. Cette cave, el Hira, dans notre vie, ça doit être ça. Deuxième des choses, vous allez remarquer, dès qu'il reçoit la révélation, il va encore ajouter, parce que la révélation le lui dit, une dimension qui est un principe dans sa vie. Tous les êtres qui sont autour de vous, tous les êtres qui sont de votre famille, que ce soit votre maman qui est partie ou votre papa qui n'est plus là, que ce soit votre oncle qui vous protège ou que ce soit vos enfants que vous avez, dans toutes les situations, vous êtes un être de principe en société, vous êtes un être d'amour en privé. Vous êtes un être d'amour en privé. Le premier geste du prophète, quand il va vers Khadija, comme principe, c'est, ça veut dire quoi quand il revient? Quand Allah l'appelle, « Iqra bismi rabbik » et qu'il va vers sa femme, ça veut lui dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ce geste? Ça veut dire « Je t'aime, aide-moi ». Ça veut dire « Je t'aime ». Quand il voit « Zammelouni, Zammelouni », ça veut dire « Je t'aime, j'ai confiance en toi ». C'est ça que ça veut dire. Il y a des gestes, vous ne l'avez pas dit, mais on a entendu. Quand vous venez à la maison, que vous offrez des fleurs à votre épouse ou que vous faites un cadeau, vous n'avez pas dit « je t'aime », mais le cadeau, c'est « je t'aime ». Il y a des mots qu'on entend, des sens qu'on entend qui ne sont pas dits. Le prophète, as-salam, dans sa vie, dans l'intimité, c'est que de l'amour. Quand il jeûne dans sa grotte, Aïcha, radiallahu anha, dit « il était un être de douceur et de tendresse ». Il, partout où il est dans sa intimité, et il dit même dans la foi, dites à ceux que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Aux frères, il faut dire, uhibbuka fillah, il faut être l'expression. Mais ça, c'est un principe de vie. Et je sais que dans certaines de nos cultures d'origine, on ne le dit pas, on ne l'exprime pas. Vous savez, on est aujourd'hui mais c'est très important le tactile. Mais le tactile, dans le cadre de la famille et tout ceci, avec vos enfants, il faut savoir prendre ses enfants dans ses bras, prendre ses parents dans ses bras, il faut savoir embrasser. Quand le prophète, as-salam, il embrasse un enfant avec le bédouin, il lui dit, moi j'en ai 10, j'en embrasse pas. Je les embrasse pas. Qu'est-ce qu'il lui dit? Mais il dit que ça c'est min ar-rahma. Ar-rahma ici c'est quoi? C'est pas uniquement la compassion. Ar-rahma, le mot arabe, rahma, vient de rahim. Ça vient de l'intérieur. C'est un amour qui est beaucoup plus que ce qu'on va dire dans le hub, différent de le hub et rahma, min ar-rahma, rahma bainahum. Ça vient de l'intérieur. C'est de l'amour qui vient des entrailles. Des entrailles. C'est un amour, c'est celui qui est lié à la maman et l'enfant.
Il y a un secret dans l'amour de la maman pour l'enfant qui vient de là où ça vient, de là où ça vient. Ça vient de très, très, très profond. Ça, il faut que nous, on ait ceci comme un principe de vie. C'est-à-dire, il a ses principes et il exprime son amour. Et il exprime son amour pour sa fille, Fatima Zahra. Il exprime tout ceci tout le temps, avec tous ceux qui sont autour de lui. Qu'est-ce qu'ils sentent ? Le messager est un messager d'amour. Et c'est un principe de vie. Vous savez pourquoi on parle de ça ? Pourquoi est-ce qu'on parle dans cette quête spirituelle ? Il s'isole, il cherche, il est dans la spiritualité, il essaye de voir le sens, la paix du cœur. Et en même temps, il exprime l'amour à l'extérieur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la solitude intérieure avec Dieu va être le miroir de l'amour avec Dieu et les hommes. Seul pour soi avec Dieu et plein d'amour avec les autres avec Dieu. L'amour, c'est le miroir de cette solitude avec les hommes. C'est comme ça qu'on doit être, c'est comme ça qu'on doit les servir. Et ça, c'est un des principes de la vie du prophète, alayhi wassalam. Et il faut le nourrir aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, contrairement à ce que l'on croit, plus on est dans cette expérience-là, plus on est fort. En fait, l'amour dans la foi, ça donne de la force. Et la solitude avec Dieu, ça donne de la force aussi. Mais quelle force ? On parle de quelle force ici ? On parle de la force spirituelle. On parle de la force de la conviction. Et pourquoi on en a besoin ? Parce qu'on a une mission. Et cette mission d'être fort, ce n'est pas pour prendre le pouvoir. Nous avons le devoir d'être fort. Et comme le dit le prophète, al-salam, le musulman fort est meilleur auprès de Dieu que le musulman faible. Mais pourquoi ? Pour prendre le pouvoir ? Non. Pour servir les hommes. Nous avons l'obligation d'une force de conviction pour servir l'humanité, non pas pour prendre le pouvoir. Notre force, elle a un objectif, c'est servir tous les êtres humains et lutter contre l'injustice et lutter contre l'oppression. Nous avons un devoir de force spirituelle pour servir. Et le prophète, al-salam, il l'a dès le départ dans sa vie. C'est tellement vrai que qu'est-ce qu'il va nous donner ? Quel est le troisième volet de la force ? Un, cette quête. Deux, cet amour. Le troisième volet de la force, et vous le savez tous, eh bien, c'est l'éducation. Et le prophète, al-salam, lui, il était, et comme un des miracles de l'expérience du prophète, al-salam, c'est que lui, il était illettré. Il reçoit en tant qu'homme, il est illettré, et tout ce que le message lui dit, c'est l'éducation. Et Rab, Dieu, le miséricordieux, il lui dit, tout sera dans l'éducation. Et vous vous apercevrez que l'un des principes, c'est que le Coran est le livre de l'éducation de l'illettré. Il ne peut pas le dire par lui-même et le Coran vient lui enseigner. En fait, c'est ce que vous avez dans le Coran. Le Coran, qu'est-ce qu'il est dit ? Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan. À qui ? Au début, à qui ? Le premier à qui il fait ceci, c'est qui ? C'est le prophète, al-salam. À tel point que l'illettré, que celui qui n'a pas fait d'études, va avoir au niveau de la langue arabe ce qu'on va appeler jawami al-kalim. C'est-à-dire, il dit peu de mots, mais ce qu'il dit, c'est très profond. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça, c'est de l'éducation. Un être éduqué dans sa langue n'a pas besoin de parler beaucoup pour dire du très profond. Il parle peu, mais il dit beaucoup. Ça vient de l'éducation. Et ça, c'est sa force. Quand le prophète, alayhi salam, s'exprimait, il avait une force de conviction. Il avait les mots pour le dire. Il avait l'éducation spirituelle pour faire comprendre. Il avait l'attention de ceux qui le suivent, de ses compagnons. Ça veut dire que pour nous aujourd'hui, si on suit le prophète, alayhi salam, on va valoriser toute cette dimension de l'éducation comme un principe. C'est ça, suivre le prophète, alayhi salam. Tu veux suivre le prophète, alayhi salam, éduque-toi. Apprends les langues, les gens, le service, tout ce qui peut être constitutif de la personnalité. Ça, c'est le troisième axe du pouvoir que l'on a directement lié au prophète, alayhi salam. Mais ce n'est pas fini. D'où vous vient la force en société ? Et vous savez, quand vous lisez le Coran et vous voyez comment était le prophète, alayhi salam, vous allez comprendre une chose qui est très, très importante.
À un moment donné, il reçoit la révélation et les riches viennent vers lui. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux de l'argent, on va te donner de l'argent. Tu veux le pouvoir, on va te donner du pouvoir. Tu veux des femmes, on va te donner des femmes. Ce que tu veux, on te le donne. Et lui, il leur répond à partir de ce qu'il va lui être dit dans le Coran. C'est-à-dire, au moyen de ce Coran-là, lève-toi et fais l'effort ultime, la résistance ultime. Ne te laisse pas aller à ce à quoi ils te proposent, parce qu'ils vont tout te proposer. Quand ils sentent que ta force n'est pas négociable, ils vont négocier par tous les moyens. Quand ils sentent que tes principes, ils sont des principes fermes, ils vont essayer de te corrompre. Ils vont essayer de tourner autour de tes faiblesses. Quand ils sentent ta force, ils cherchent ta faiblesse. Quand ils sentent qui tu peux être, ils vont essayer de t'attirer. Raison pour laquelle Allah SWT a dit au prophète « Wala oula enthabbatnaka » si on ne t'avait pas affermi. Comment ? Par cette force-là. 1. La quête personnelle. 2. Tes principes et l'amour de gens qui t'aiment. Aïcha, Khadija, radiallahu anha, elle va jouer exactement le rôle de ce qu'il y a dans le Coran. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. C'est-à-dire, elle va le protéger. Ça, c'est ta force. Cet amour-là, c'est ta force. Deuxième, ton éducation, la capacité du Coran à pouvoir el bayan, c'est-à-dire, tu vas pouvoir t'exprimer avec cette force-là. Mais la quatrième des choses, elle va te venir de là où ceux qui ont le pouvoir ne savent pas que tu as du pouvoir. Il vient d'où ? Il vient d'où ce quatrième élément ? Et ça, c'est un principe. Vous voulez aujourd'hui en France être une communauté de citoyens qui montrez votre pouvoir de principe, votre pouvoir éthique, ça sera de vous occuper de ceux qui n'ont pas de pouvoir. Ça sera de vous occuper de ceux qui apparemment n'ont pas de pouvoir. Kalla balla tukrimun al yatim. C'est ce qui est dit dès le début de la révélation. C'est sa relation aux pauvres. C'est sa relation à ceux que la société ne voit plus. Ça, c'est son pouvoir. Son pouvoir, ça n'est pas le pouvoir de ceux qui ont du pouvoir, c'est le pouvoir de ceux qui apparemment n'ont pas de pouvoir. Et ils vont se moquer de lui, ils vont dire, regarde qui te suit. Regarde quels sont ces pauvres qui te suivent. Et pourtant, c'est ça son pouvoir. Parce que le pouvoir de ceux qui n'ont pas de pouvoir, c'est qu'ils veulent, eux, changer le pouvoir pour le meilleur et pour plus de justice. C'est ça, d'abord, leur engagement. Et le souci du pauvre sera essentiel. La mosquée du prophète, al-salam, des pauvres. Le Coran, des pauvres. Et il est dit ceci, que votre foi, elle est liée à votre amour du pauvre. La force du prophète, al-salam, c'est son souci de ceux qui n'ont apparemment rien. Fatima, sa propre fille, va s'inscrire dans cette logique-là. Lui, il va être proche de cette pauvreté, il va être proche de ceux qui sont les déshérités, à tel point que l'islam a mis comme l'un des piliers de ses fondements le souci du pauvre dans la zakat. Non pas parce qu'ils sont des victimes, mais parce qu'ils ont des droits. La force de la résistance pour plus de justice, c'est toujours de vous souvenir d'une chose. Ne regardez jamais les pauvres comme des victimes. Regardez les pauvres comme des êtres dignes à qui on a pris des droits. C'est pas pareil. Si vous les regardez comme des victimes, vous faites de la charité sur la marge de votre vie. Quand vous les regardez comme des êtres dignes à qui on a pris des droits, vous vous levez et vous donnez la force. C'est là qu'ils deviennent des êtres de pouvoir. Voilà comment le prophète al-salam était. Ça, ce sont des principes. Vous voyez que c'est totalement différent. Et ça, c'est le quatrième pilier de son engagement sur la dimension du changement, de comment il était. Et la première des choses aussi qui lui a donné la force, c'est lui-même. C'est lui-même, comment lui, il a maintenu cet état de pauvreté, cet état de ne pas se laisser aller. Parce que ça aussi, il faut se protéger de ça. Il faut se protéger du bien qui peu à peu érode vos principes. Lui, il est resté dans la distance. Ça ne veut pas dire qu'on est corrompu quand on est riche, mais on n'est plus corruptible quand on est riche. On peut s'exposer beaucoup plus à la compromission. L'argent peut être problématique. Les kulli ummatin fitna wa fitnatu ummatil mal. Voilà ce qu'a dit le prophète al-salam. Dans chaque communauté, il y a quelque chose qui peut être un principe de destruction. Et le principe de destruction de ma communauté, ce sera l'argent. Et donc, il faut le comprendre aussi comme un quatrième principe. Mais ce n'est pas terminé,
Et pour les quelques minutes qui me restent, laissez-moi passer au principe de cette dimension individuelle à la dimension collective. Et ça, c'est aussi déterminant pour nous. On suit le prophète al-Salam et on regarde comment il était avec autrui. Et ce qu'il était avec autrui, c'est que le prophète al-Salam, il avait une chose, exigeant avec lui-même et respectueux d'autrui, respectueux des autres. Alors on le sait, il est respectueux des juifs, il est respectueux des chrétiens, il est respectueux d'eux-mêmes, des autres tribus qui sont des tribus païennes, à partir du moment où ils ne l'attaquent pas et à partir du moment où eux-mêmes ont des principes. Vous nous attaquez, on résiste, mais vous nous respectez, on vous respecte. Aux juifs de Najran, il les prend et il accepte qu'ils puissent prier et qu'ils puissent les recevoir dans sa mosquée. À ceux qui sont les juifs qui sont de ces tribus, il les protège pour ceux qui ne sont pas en guerre avec lui. Quant à ceux qui le trahissent, il leur résiste. Mais il fait la différence. Il n'y a pas l'once chez le prophète al-Salam, l'once d'une attitude qui pourrait confiner à du racisme, soit religieux, soit culturel. Il prend Bilal, qui est un noir, et il le met à appeler la prière. Il prend des gens de toutes les cultures et il l'entoure. Et il dit aux juifs à Médine, quand il y arrive, qu'ils font partie de sa communauté. Min ummati. Faites attention à ce que... Ils sont de ma communauté. Lahum malana wa alayhim ma alayna. Ils ont les mêmes droits et les mêmes principes. Donc ces histoires que nous aurions des tendances dans certaines lectures du Coran à accepter un antisémitisme, comme certains le disent aux États-Unis, il faut absolument que sur cet exemple-là nous disions « ça n'est pas vrai ». Il n'y a rien d'acceptable dans aucun sens dans la relation à autrui, si ce n'est la dimension de respect. Et le verset que l'on rappelle tout le temps et qui est l'attitude que le prophète al-Salam a toujours eue, c'est ceci: Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu. Et ce qu'il faut ajouter, inna akramakum 'indallahi atqakum. Le principe premier de notre distinction, c'est notre conscience intérieure. Et j'ai bien aimé quand, dans une discussion avec le cheikh Raisouni, il mettait en évidence, il y a eu un débat entre des savants dans une des discussions qu'on a eues autour de l'éthique, où il disait, et taqwa, ça peut être la conscience avec Dieu, mais ça peut être aussi la conscience, c'est-à-dire la conscience intime. Comment on perçoit les choses? Comment est-ce qu'on est lié à nos principes et qu'on est lié à notre conscience? Eh bien, ce que nous dit ce verset, c'est que nous sommes dans la diversité pour nous connaître les uns les autres. Et le prophète, al-Salam, c'était ceci. Vous, aujourd'hui, vous êtes en France et ce principe-là, il faut qu'il soit fondamental. Fondamental. Aujourd'hui, dans vos familles, on commence par vous-même, dans vos cœurs, dans vos familles, dans votre communauté, dans votre société, vous êtes des agents du respect de la diversité. Ça ne sert à rien de demander à Martine Aubry ou de demander au président de la République ou de demander à l'Occident respecter la diversité si nous, on ne commence pas, un, dans nos cœurs, deux, dans nos intelligences, trois, dans nos familles, quatre, dans notre communauté, cinq, dans notre société, à dire avec force, vous nous trouverez debout avec nos principes, comme il a été dit tout à l'heure, avec notre éducation, avec notre souci des pauvres, en face de toute tentation raciste, en face de toute tentation sectaire, en face de tout communautarisme qui mettrait ma communauté contre les autres sans principe. Je suis avec les miens quand ils sont dans le juste. Je serai contre les miens s'ils sont dans le mal. Et je serai avec tous ceux des autres communautés qui seront dans le bien. Et je serai contre ceux des autres communautés qui seront dans le mal. Parce que ceux qui se font de mon appartenance, ce sont mes principes, ma dignité et mon rapport à la justice. Donc cette dimension, il faut qu'elle soit extrêmement claire. Le prophète, al-Salam, c'est ça qu'il nous dit, c'est ça qu'il nous enseigne et c'est ça qu'il faut rester. Donc cette dimension du respect. L'autre élément que je voulais mettre en évidence et qu'on ne met pas suffisamment en évidence dans la vie du prophète, al-Salam, comprenez-le bien. Quand vous vous promenez, Certains des jeunes musulmans, à des moments donnés, ils se disent « c'est trop difficile de vivre en France, c'est trop difficile de vivre en Occident ». Et souvent, ils vous disent quoi? Ils vous disent « j'ai envie de rentrer dans un pays majoritairement musulman parce que là-bas, au moins, on entend le adhan ». Et c'est vrai qu'à période régulière, j'arrive là, maintenant j'étais au Maroc, j'arrive du Maroc.
Et en arrivant, c'est vrai, vous entendez, il y a quelque chose dans l'air du temps, dans l'air de l'espace, quand vous entendez ceci. Maintenant, il se trouve qu'avec vos ordinateurs, vous pouvez faire en sorte que ça, dans votre maison, ça, vous ne faites rien, ça vient tout seul. Votre ordinateur, ça peut être le adhan à la maison. Vous pouvez faire ça. Ce n'est pas à l'extérieur, mais j'aimerais vous dire une chose. Qu'est-ce qu'il y a dans le adhan de tout à fait singulier ? C'est le rappel du sens, on sent que le rapport à Dieu, il est là. Mais il y a quelque chose aussi de fondamentalement beau. J'aimerais vous dire une chose. C'est que dans la façon dont le prophète Al-Salam était avec sa communauté, il y avait un profond respect, mais il y avait toujours le souci de la beauté et du bien-être. Et ça, il faut vraiment que vous le compreniez en France. Vous n'êtes pas destiné, Français de confession musulmane, à être en France et à vous sentir mal. À dire, c'était bien là-bas, je pars au bled. Ou alors de dire, je ne comprends plus là-bas et j'arrive plus ici, donc je ne sais plus où aller. Et on finit à Dubaï. Non, non, non. Ce qu'il faut, c'est qu'on prenne vraiment ceci au sérieux. Le prophète, alayhi salam, détestait ceux qui faisaient usage de la langue dans l'injustice. Ceux qui étaient des poètes contre lui. Ceux-là, ils comprenaient leur pouvoir. Mais un jour, un poète est venu à lui et il lui a fait un poème pour lui d'une grande beauté. Il a enlevé son manteau et il l'a couvert. Voulant lui dire quoi ? Quand la langue, quand le bien est fait pour le bien-être, quand il dit à Bilal, vas-y, appelle à la prière, quand il dit à l'autre, lis le Coran, on veut se sentir bien. Et c'est un droit et c'est juste. Quand le Coran, quand est chanté, pense à toute la structure de l'islam. Quand au départ, Malik, il parle de al-masalih al-mursala. Tout ceci, ils disent quoi ? Maslahat al-nas, c'est quoi ? Le bien public. Il faut qu'on se sente bien. Le Coran, quand il nous parle de la nature, il dit « et-tayyibat », c'est bien. Il faut qu'on se sente bien. Et le prophète, as-salam, il a des moments où il écoute, il est chez lui, et puis il y a de la musique, et puis il y a des chanteuses. Abou Bakr al-Siddiq, il rentre, il dit « qu'est-ce qui se passe ?» Non, c'est doucement, c'est fait. On a le droit de se sentir bien. Ça, c'est un élément majeur de la vie sociale. Mais il faut que ce soit un bien digne. Pas un bien du n'importe quoi. Nous, quand on a une fête du Ramadan, à la fin du Ramadan, nos fêtes, elles sont liées à la prière et au bon sentiment. On est dans le bien et on a le droit d'avoir de la culture, on a le droit de l'avoir de l'art, on a le droit d'avoir du beau. Le prophète, il aimait le beau et il le fait dire et il le fait entendre et il se le fait entendre par le hadith Qudsi. Allahu Jamil yuhibbul Jamal. Ça, c'est un principe de vie. Vous voulez suivre le prophète, al-salam, célébrer le beau, célébrer le bien-être dans le bien. Pas n'importe comment, pas comme un samedi soir où on s'éclate, mais comme un samedi soir où l'on s'apaise, où on peut avoir un moment d'animation où on se sent bien. Le prophète, as-salam, il dit et il arrive chez les Ansar et il demande à propos d'un mariage, est-ce que vous avez envoyé les deux chanteuses parce que les Ansar aiment ça ? Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Ils sont musulmans, mais ils aiment ça. Et ça, c'est pas anti-islamique, c'est bien, faites-le. Sentez-vous bien. Faites en sorte que votre vie soit des moments de bien, par le beau. Ça peut être dans le rapport à la nature, dans le rapport à la littérature. Il faut qu'on comprenne que l'exemple du prophète, ce n'est pas un corps de principe sec, dur, rigide. C'est la simplicité dans le bien-être. C'est des principes qu'il faut que l'on développe et qu'il faut que l'on mette en évidence. Et mon dernier point, parce qu'on m'écrit « merci de conclure ». Donc, c'est mon dernier point que je vais aborder maintenant. C'est le suivant. Le prophète, as-salam, dans sa vie publique, il avait un souci. Et ce souci, il était double. Et il va avoir deux volets. Très rapidement, il faut qu'on l'entende. Il lui est dit, à un moment donné, vous savez qu'ils sont allés à Badr et qu'ils ont gagné, puis qu'ils allaient commencer Ghazwat Uhud. Et le prophète, as-salam, il était de l'opinion qu'il fallait rester à l'intérieur. Et ceux qui n'avaient pas participé à Badr, qui étaient des jeunes, qui n'avaient pas d'expérience, et certains d'entre eux, ils voulaient gagner, avoir la même récompense de ceux de Badr. Et ils ont dit, il faut qu'on sorte. Et le prophète, as-salam, se trouve dans une situation où il a le pouvoir de l'expérience, et il a le pouvoir de l'autorité
morale et religieuse. Et pourtant, il les réunit et il les écoute. Et le Coran lui dit plus tard, il l'a écouté, il avait une opinion. Plus tard, il saura qu'il avait eu raison, que la majorité a eu tort, mais il a suivi la majorité. Et le Coran lui dit, « فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ » Donne-moi encore juste 3 minutes. Qu'est-ce que je disais ? Et par une grâce de Dieu, tu as été doux à leur aider. Voilà, كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيدَ الْقَدْ لَفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Si tu avais été dur, il se serait éloigné. Regardez, écoutez bien ça. Parce que tout ce qu'il a reçu comme force de l'éducation, il va y avoir une consultation, il va écouter. Et ça, c'est le prophète, alayhi salam, et c'est très important. Il y a 2 choses qui sont importantes dans son rapport au pouvoir. 1, il discute. 2, il écoute. Et 3, qui est important, c'est que la parole des jeunes est importante pour lui. Le prophète, alayhi salam, reçoit la révélation, il a 40 ans. Ceux qui sont autour de lui sont très jeunes. Et que la communauté des musulmans français, des Français musulmans, est une communauté très jeune. Et que ceux qui sont d'entre vous ici, si vous suivez le prophète, alayhi salam, très bien. Merci, masha'Allah. On m'a rajouté 3 minutes. Comme quoi, il faut toujours négocier. C'est notre culture d'origine. Bref. Ça aussi, c'est pas mal, il faut le garder. Nous, on négocie beaucoup avec le temps. Bref, ce que je voulais dire, c'est qu'il va écouter les jeunes, même Oussem, il va lui donner à l'âge de 20 ans, il va lui donner la direction et il fait confiance, c'est-à-dire il est le prophète, sallam, il donne la possibilité à ceux qui sont autour de lui de se dépasser, de prouver qu'ils peuvent faire. Voilà le prophète, sallam. Et quand on le suit, on veut ça. On comprend que ça, c'est important, qu'il faut qu'on puisse avoir cette capacité à nous dépasser, cette capacité à prouver, cette capacité à être consulté, à donner son opinion. Qui suit le prophète, alayhi salam, sur le plan individuel ou sur le plan collectif, est un être qui systématiquement écoute et consulte. Premier élément à la maison. Avec sa femme ou avec son mari, avec ses enfants, on consulte, on discute, on gère la parole. Chacun a le droit de donner son opinion. Comment voulez-vous qu'on soit des sociétés de liberté si à la maison, on ne s'écoute pas librement ? Si à la maison, on n'a pas de liberté d'expression, où est-ce qu'on va l'avoir ? Si on ne sait plus se dire à la maison. Eh bien, le prophète, as-salam, il avait ceci. Il va consulter Khadija, il va consulter Umm Salama, il va consulter Aïcha. Il les consulte et il écoute. C'est pas je te consulte, fais ce que je veux, comme certains frères. Je t'ai écouté maintenant, bon, laisse-moi, je réfléchis. Ou alors rien, ou alors il n'y a rien. Et puis les femmes peuvent aussi faire la même chose, parce que là elles étaient contentes, mais les femmes peuvent aussi faire la même chose, soit avec leur mari, soit avec leurs enfants. Nous avons un manque dans la façon dont nous suivons le prophète, as-salam. Donc la consultation est importante, elle fait partie de cette éducation et de ce respect. Et la dernière des choses, ne l'oubliez pas. L'un des grands exemples du prophète, c'est celui-ci. C'est qu'il avait cette douceur, il avait cet amour, il avait cette écoute, il avait cette consultation, il avait des principes dans sa vie individuelle et des principes dans sa vie collective. Mais il y a une chose qui était le plus important. C'est que dès le début, quand Allah subhanahu wa ta'ala l'appelle, il lui dit une chose. Tu vas appeler à la paix, tu vas appeler à l'amour, tu vas appeler à la vérité et tu vas avoir des ennemis. Tu vas avoir les riches, tu vas avoir les autres communautés, tu vas avoir des gens de ta propre famille. Et ce qui est le plus important, il faut que tu sois doux avec les doux, il faut que tu sois amoureux avec les amoureux, mais il faut que tu sois courageux vis-à-vis des ennemis. Et ça, c'est le dernier principe auquel il faut que vous soyez invité. Vous êtes en France, et tout ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'est-ce que c'est ? On peut vous attaquer chaque jour aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant. Ceux qui sont là, il y en a parmi vous, ils sont là, ils font un travail islamique depuis pratiquement 2 générations, 40 ans, 30 ans. Mais on a vu comment c'est monté, comment on nous attaque de plus en plus, et tout le temps, et de plus en plus. Chaque jour, il y a quelque chose. Chaque 6 mois, il y a une controverse. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que ça demande de nous de suivre le prophète, as-salam, dans quoi ? La sagesse de l'isolement et le courage de la présence.
être courageux. On ne va pas se laisser faire. On ne va pas laisser notre religion disparaître. Vous voulez agir à la disparition de l'islam ? Jamais. Vous pourrez faire disparaître quelques musulmans dans leur compromis, mais l'islam ne disparaîtra pas. Pourquoi ? Parce qu'à l'exemple du prophète, elle est fondée sur des principes qui ne disparaîtront pas. L'islam ne disparaîtra pas de la société française. Quels que soient les représentants que vous voulez leur donner, quels que soient ceux que vous choisissez pour eux, choisissez, nous choisirons. Mais ce que nous choisirons restera, ce que vous choisirez passera. Ça, c'est une dimension qu'il faut garder claire. Le courage verbal, dites ce que vous pensez. Le courage social, faites ce que vous devez. Le courage politique, exprimez vos opinions, vous en avez parfaitement le droit. Toute personne qui vous dit il ne faut pas faire de politique, cherchez quelle politique il veut. Moi, ça me fait rire. Il y en a qui dit il ne faut pas faire de politique. J'ai même entendu des gens qui vous disent ne vous exprimez pas sur la Palestine, ne vous exprimez pas, et on nous amène des représentants qui sont liés à l'une des organisations françaises qui est la plus politique qui soit, avec le CRIF qui prend des positions sur la Palestine qui sont absolument indéfendables. Comment peut-on, quand des Palestiniens, des civils, 1400 sont tués à Gaza, justifier l'intervention israélienne ? Comment peut-on aujourd'hui dire ça, c'est pas politique, c'est juste une position. Attendez, ça, il n'y a rien de plus politique. Et à ceci, il faut que nous répondions, nous avons des principes, nous avons du courage et nous ne laisserons pas faire. Non pas en tant que musulmans, mais en tant que Français. Et en tant que Français de confession musulmane, nous devons avoir le courage de nos opinions. Alors, pour résumer, de l'isolement qui vous donne du sens à l'affection et l'attention de votre famille, à l'éducation qui vous donne du pouvoir, à la solidarité qui vous donne de la force, vous ajoutez cette dimension du respect d'autrui, de la consultation et de l'amour du beau, et vous devenez un être de courage et vous dites « Atawakkalu ala Allah » wa salamu alaykum wa rahmatullahi.